par ce temps qui coule, la fronde sociale. Quatre invités, personnalités politiques pour en parler, avec beaucoup de percutance. Gabin Loulendou, porte-parole, adjoint de l'INC, est avec moi à mon extrême gauche. Et puis Zachary Kenda, cadre UDPS Tshisekedi. Et à mon extrême droite, Steve Kivuata, porte-parole de la Mouka. Et enfin, l'unique femme qui est avec nous ce soir, il s'agit de Mimi Condé, porte-parole MLP, c'est le mouvement de Franck Diongo. Bienvenue à tous, bienvenue madame. Merci beaucoup pour l'invitation. On ouvre justement ce débat. Je voudrais qu'on commence par madame Condé. Madame, nous allons vers une coalition qui est inévitable entre CASH et FCC. À votre humble avis, au sein du mouvement MLP, vont-ils coaliser autour de quoi concrètement on parle en termes de programme? Merci beaucoup pour l'invitation. Je voulais apporter un petit rectificatif. Vous savez qu'il y a un certain moment où il y a eu un comité intérimaire qui est en train de mettre en place notre structure au sein du parti. Et donc, je n'occupe plus le poste de porte-parole du parti. Je suis cadre simple du MLP pour le moment. C'est un petit rectificatif. Merci pour la précision. Alors, s'agissant de la question que vous venez de poser, je crois qu'il y a beaucoup de tractations autour de cette question, de la cohabitation ou de la coalition. Évidemment, le FCC, pour nous, pense que, comme l'a dit Joseph Kabila Kabange, qu'ils doivent coaliser et que de l'autre côté, les gens pensent qu'ils doivent y avoir la cohabitation. Mais il se pose aussi un sérieux problème de l'informateur. La question qui se pose avec acuité aujourd'hui est de savoir si le président de la République, Félix Tshisekedi, doit nommer un informateur. C'est la position de certains, de certaines personnes au sein de la coalition CASH, et tandis que de l'autre côté du FCC, les gens trouvent que c'est inopportun que le président de la République puisse nommer un informateur, d'autant plus que le FCC est majoritaire au Parlement. Et là, je dis, il se pose une question d'appréhension, une question de droit qui se pose, parce que le FCC, la MOCA, ensemble, CASH, n'ont qu'une existence de fait, ou pas une existence juridique. Et donc, les partis qui ont participé aux élections ont participé au sein des regroupements. Et ces regroupements politiques ont des personnalités. La dynamique de l'opposition, mouvement social, AMK, et UDPS Tshisekedi, tout ce que vous voulez. Et maintenant, la question est de savoir, est-ce que le FCC aujourd'hui peut prétendre qu'il a une majorité au Parlement? J'ai dit, du point de vue des droits, on ne peut pas parler d'une majorité du FCC au Parlement. D'autant plus que la CENI n'a proclamé aucun candidat député élu dans le regroupement FCC. Mais cependant, comme vous le savez, que la politique prime de façon le droit, il est maintenant question de voir les arrangements qui ont eu entre CASH et FCC, c'est à eux de donner une forme à la nature de leur rapprochement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent cohabiter ou ils veulent coaliser? Mais d'emblée, je dirais que le président de la République l'avait fait ressortir, qu'ils doivent coaliser, il a besoin d'une grande coalition. Je dis le président sortant, Joseph Kabila, et sa famille politique, le FCC. Donc il revient maintenant à CASH de voir quelle nature ils vont donner à cet arrangement politique qu'ils ont eu avec le FCC. Et je crois qu'on évite aussi qu'il y ait l'informateur par peur de débauchage. Parce que vous savez que nous sommes au Congo où quand on forme un informateur, et que ceux qui n'aiment pas être en dehors des postes ministériels vont accourir derrière cet informateur pour quitter soit leur regroupement politique et s'attacher à l'autre pour occuper des fonctions ministérielles. Et voilà, Zachary Kenda, est-ce que c'est ça la crainte? La nomination d'un informateur. Et puis, la question vous revient, vous allez coaliser, Zachary Kenda, vous êtes incliné à méditation, vous allez coaliser
autour de quel programme? Celui du FCC ou celui de Cash? Parce que c'est le président de la République qui a été élu au suffrage universel. Merci pour votre invitation et merci pour la question. L'informateur s'impose. Il s'impose. Il doit s'imposer. Parce que l'on ne saurait pas comprendre politiquement que l'on se dise majoritaire avec 350 députés et qu'on n'ait pas eu un président de la République. Qu'il ait échoué encore avec au moins 7% le suffrage universel, direct. Donc, la question de l'informateur s'impose pour dénicher la majorité. Mais madame, vous avez exprimé une inquiétude là, le débauchage. Connaissant l'inconstance et la versatilité de notre classe politique. Mais sinon, on ne violerait pas la loi. La loi l'a prévu ainsi. En cherchant à atteindre la majorité, ce n'est pas un problème de débauchage, c'est un problème qui se ferait au grand jour. On aurait nommé un informateur qui serait logé peut-être au Grand Hôtel Pullman, ou par Hôtel, ou même Ling, ou par je ne sais pas, où est-ce qu'il va établir son bureau. Il va appeler parti par parti. Et les gens vont se décider en âme et conscience, en sachant que nous voulons aller du côté du pouvoir, ou nous voulons faire notre opposition. Il n'y a pas de débauchage. Il n'y a que les Congolais qui inventent des termes. Parfois des termes creux qui n'ont pas de sens. Comment peut-on parler de débauchage puisque la formation d'un informateur, c'est un problème officiel légal, établi par la loi. Et que c'est un droit pour un président élu qui doit dégager la majorité pour lui permettre de travailler. Donc, le problème de débauchage, il faut l'exclure. Donc, nous disons que l'informateur doit venir. Supposons que les FCC, qui veut se lier aujourd'hui à un regroupement politique, qui soit allé aux élections avec tous ses députés. Mais je vis dans une monture fantaisiste qui passe dans les réseaux sociaux, où on dit FCC, deux ministères, AABC, deux ministères, mais on ne dit pas FCC, deux ministères. On parle des partis politiques avec des ministères. Ces partis, je l'ai dit plusieurs fois, je ne vois pas pourquoi je dois me répéter, sont des partis autonomes. Donc vous crédibilisez ce fait de l'information de l'équipe gouvernementale. Je ne crédibilise rien, je me réfère. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais moi, je sais ce qui m'intéresse, c'est la manière dont on a réparti. On ne dit pas FCC 40 ministères. On dit plutôt AAB. Un ministère, CCDO, deux ministères, YZ, un ministère. On ne dit pas FCC. Et FCC ne doit pas. C'est là que j'ai peur. Je peux que les gens, la leçon du rejet par notre peuple, ne leur a rien dit. Ils sont rejetés terriblement par notre peuple, qui ne peuvent pas aujourd'hui être arrogants et s'arroger un grand pouvoir de dire nous sommes majoritaires. Vous ne pouvez pas être majoritaire, Chadar est chassé. Donc ils ne sont pas majoritaires, on doit laisser chaque parti s'affirmer si le parti veut travailler pour la majorité ou pour la minorité au pouvoir. C'est ça la problématique. Donc aller autrement, c'est de la tricherie pure et simple. Et c'est la montre même qu'on n'a aucune volonté de changer les choses. Et on ne voudrait pas changer les choses. Pour changer les choses, ce sont des polices. On voudrait voir ces gens-là se remettre en cause. J'ai suivi des autres qui veulent aller dire c'est fait de gouverner chez eux. Ils ont compris. Ils ont compris que le peuple n'a pas tellement besoin d'eux. Et beaucoup d'entre eux, le peuple n'a pas besoin d'eux. Ils doivent se cacher, ils doivent aller, ils doivent se nouer en commerçant. Devenir des hommes d'affaires, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont amassé au détriment du peuple congolais, pour quand même créer des sociétés, des entreprises, et engager des chômeurs qui se trouvent. Mais c'est caché derrière le FCC pour dire, nous sommes majoritaires, je crois que c'est ma place. Voilà, on enchaîne avec vous. Cash, voilà, FCC, coalisé autour de quel programme? Celui du FCC ou celui du Cash? Concrètement, les gens sont dans l'embarras d'opinion congolaise. Mais avant de répondre à votre question, souvent j'entends des gens parler des débauchages si jamais on désignait un informateur. Je pense que c'est un abus de langage.
Le démouchage, vous voyez ce qui s'est passé lorsqu'il était question de désigner un premier ministre issu du Rassemblement. On est allé prendre un individu détaché de son parti politique, on l'a nommé premier ministre. Il s'agit là d'un débauchage. Mais dans les cas sous examen, le débauchage n'est pas possible parce que les partis politiques ont une existence autonome dans la mesure où ces partis politiques ou regroupements politiques ont des organes et agissent en fonction de ces organes-là. Si un regroupement politique ou un parti politique qui a des députés au niveau de l'Assemblée nationale décide d'aller dans un sens tout comme dans l'autre, ce n'est pas du débauchage, c'est la détermination d'un parti politique ou regroupement politique. Mais un individu qui est au sein d'un regroupement politique ou d'un parti politique, qui a été élu député, qui décide de quitter, d'abord il perd son mandat, parce que quitter son organisation, c'est-à-dire parti politique ou regroupement politique, vous fait perdre votre mandat. Il n'y a aucun député sérieux qui le ferait, qui déciderait de quitter son organisation. Donc le débauchage ne sera pas possible. L'identification de la majorité, ça veut dire prendre langue avec les forces en présence au niveau du Parlement. Ces forces en présence s'expriment soit comme parti politique, soit comme regroupement politique, parce que les deux ayant une existence juridique, de telle sorte que par la suite, on puisse dire on veut aller dans un sens tout comme dans un autre. Il s'agit nullement d'un débauchage, hein, un abus de langage. Maintenant, vous posez la question de savoir, mais pour quel programme? Attendez, on va voir. Toujours est-il que si vous regardez très bien, vous regardez l'UDPS, parce que les caches sont constituées de l'UDPS et de l'UDPS. Justement. Quand vous regardez très bien ces deux partis, du point de vue idéologique, il n'y a pas vraiment de grandes différences. L'UDPS et l'UMC, du point de vue idéologique. Parce que c'est des partis qui prônent généralement la social-démocratie. Donc, partant de la social-démocratie, il est des valeurs en termes de liberté qui sont consacrées, il est des valeurs en termes de l'humanisme qui sont consacrées, et de ce point de vue, ces deux partis sont vraiment ensemble. Et des deux aussi, si vous regardez le programme qui avait été développé par l'UDPS et le programme qui a été développé par l'UNC, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses qui reviennent pratiquement. Le fait qu'il faut consolider un état de droit, le fait qu'il faut mettre en place une justice qui fonctionne. Ça, c'est au niveau du cash, etc. Mais lorsque vous êtes avec le FCC, dans cette coalition, voilà quel est le programme qui va prendre la primauté. Non, il faut d'abord savoir que au regard du régime politique qui est le nôtre, le président de la République est élu au suffrage universel direct suivant un programme. Le président de la République a un programme. Ce programme est connu. Toutes les promesses des campagnes qui ont été faites, c'est des promesses qui ont été faites suivant un programme. Donc, partant de ce programme-là, le gouvernement va endosser, parce que les programmes que le gouvernement met en œuvre, c'est également le programme du président de la République. Le fait que ce programme est endossé par le gouvernement, c'est tout simplement parce que le régime qui est le nôtre, le gouvernement est responsable devant le Parlement, alors que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Mais il a été élu suivant un programme. Donc, le problème ne se posera pas parce que si on regarde très bien, et même si vous lisez le programme du FCC, vous verrez que des très belles choses là-bas. C'est, le problème qui s'est toujours posé n'a jamais été un problème de programme parce que sur papier, l'FCC a des belles phrases, des bons projets, etc. Vous regardez les caches, c'est la même chose. C'est l'exécution du programme qui a toujours posé des problèmes. Donc je ne pense pas qu'on aura un problème en termes de formulation du programme dans la mesure où l'essentiel de ce que nous reprenons dans les cadres du programme UDPS-UNC ainsi que l'FCC, c'est des belles choses. Mais c'est l'exécution qui va pouvoir poser des problèmes et c'est là où nous, en tout cas en tant que gouvernance cash, on va pouvoir se battre pour qu'effectivement les choses qui nous tiennent à cœur soient effectivement respectées dans la mise en œuvre. Et voilà, Steve Kivuata, Lamouka, quelle est sa lecture des événements? De quel côté vous retrouvez? Allez-vous rejoindre en dernière minute cette coalition parce que la main vous est tendue? Nous n'allons rien rejoindre. Parce qu'effectivement, en posant la question, je pense que vous aviez senti l'hypocrisie de la part du CASH. Tout simplement parce que nous estimons qu'il y a déjà une coalition qui existe, avec un accord qui existe. Mais pourquoi le CASH-t-il?
pourquoi cache-t-il son programme et son accord de coalition avec le FCC? Pourquoi il ne s'assume pas? D'où le grand problème. Vous avez déjà ce programme. Ben, c'est pas moi qui le dis. Non, vous avez le ministre, cet accord. Je suis en train de parler. Le ministre Bahati Kwebo n'est pas de la Mouka. Il a clairement dit qu'il n'y a pas un accord entre AFDC et l'UNC, mais ils étaient en train d'exécuter un accord entre le FCC et le CACH. Bien plus, il y a le secrétaire général adjoint de l'UDPS, que je ne suis pas, monsieur Kabuya, qui a dit que le président Kabila a regardé tous les partis politiques du Congo et a vu que seul l'UDPS n'a jamais travaillé avec lui. Donc il y a eu un choix qui a même été opéré avant la proclamation des résultats. D'où effectivement la coalition FCC-CACH, c'est une coalition qui est assise, qui a été concoctée sur le dos du peuple congolais. Voilà ce qui constitue la position de la Mouka. Et deuxièmement, malheureusement pour eux, cet accord qui est contre la volonté du peuple, concocté sur le dos du peuple, cet accord est par la même occasion contre nature. Contre nature parce que contrairement à la réponse de Maître Gabin Lulendo, qui a voulu plutôt répondre sur l'idéologie pendant que vous posiez une question sur le programme, eh bien, les programmes n'ont pas été les mêmes. Il ne faut pas confondre le concept programme et idéologie. Ils ont eu un programme de l'UNC évalué à plus, qui devait être financé à plus de 100 milliards de dollars pendant 5 ans, tandis que l'UDPS avait présenté un programme qui devait être financé à la hauteur de 86 milliards dans 10 ans. Pour l'UDPS, c'était un programme de 10 ans. Et ils ont construit la coalition CACH sans mettre en commun leur programme. CACH n'a jamais eu de programme. Donc, nous avons là deux partis politiques qui se sont mis ensemble sans avoir un programme. En fait, c'était des promesses en l'air, comme il l'a déjà dit pendant la campagne électorale. Et jusqu'aujourd'hui, c'est toujours l'enseignement gratuit, un peu comme on a eu la maternité gratuite comme promesse par le Premier ministre de l'UDPS, l'excellent Sami Badibanga, sans que rien ne soit réalisé. C'est la même chose qui est fait maintenant. Et maintenant, comment nous avons CACH, une coalition sans programme, le FCC avec une coalition avec beaucoup plus de slogans, parce que pour eux il y a plus de continuité qui veut dire on promet des choses qu'on ne réalise pas. Comment est-ce qu'on peut avoir un ensemble cohérent qui peut proposer quelque chose au peuple congolais? Voilà le mariage contre nature. Et deuxièmement, en fait, nous avons là une coalition à forte dominance du FCC. Eh bien, soyons sérieux, nous sommes en politique. Ne cherchez pas des entités juridiques là où il y a une plateforme électorale qui est connue. Le FCC, c'est une entité politique, même si elle n'a pas de personnalité juridique. Quand elle a été créée, je peux considérer qu'elle avait trois objectifs majeurs. Premièrement, gagner la majorité présidentielle, en faisant élire le président de la République. Deuxièmement, gagner la majorité parlementaire, parce qu'un président sans majorité parlementaire, il ne fera que régner sans gouverner. Il paraît qu'il y en a eu. Je suis d'accord avec Maître Zachary, que je n'ai jamais été d'accord avec cette majorité parlementaire parce qu'il n'y a pas de cohérence dans le cadre du vote. Mais il y en a eu quand même. Et troisièmement, gagner la majorité parlementaire au niveau des différentes assemblées. Il me semble qu'ils en ont eu. Mais finalement, comment est-ce que vous voulez que cette majorité puisse se casser par le travail d'un informateur, même si je suis d'accord que l'informateur doit être institué pour formaliser cette majorité parlementaire? Mais moi, j'estime qu'il y a déjà une coalition majoritaire, il y a un accord secret qui a été concocté. Vous répétez là, on gagne un peu de temps. Assez rapidement, une réaction du côté CACH, le lycée UDPS, une réaction rapide avant de passer au MLP. Zachary Kenda. Oui, j'appelle ça du spectacle. Et nous ne voulons pas faire de la politique. Et effectivement, il n'y a pas d'homme politique encore au pays. Nous voulons faire du spectacle. Il a des arguments là. Est-ce que ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route? Laissez-moi le répondre. Vous avez trouvé les arguments où? Quand nous sommes allés à Genève, nous avons été une unité
indivisible. Nous avions quel programme? À Genève, quand nous sommes allés à 5, à 7, nous avions qu'il y a la parole. Saisissez bien cette réponse. Le programme devait se faire après. Et après Genève. Genève a duré au moins 2 ans de tractation. Ça nous a amené dans plusieurs pays en Afrique et au monde. Mais le pays Kenya, où nous sommes allés faire les caches, c'est presque quelques 2 ou 3 semaines, à 1 mois des élections, nous avons fait sortir quand même un programme modifié. Un programme de l'UDPS, un programme de l'UNC, nous avons fusionné et nous avons sorti avec un programme que le peuple va dire, oui, nous avons des dirigeants. Pendant 2 ans, ils allaient faire le programme après. Et alors, si c'est après, pourquoi chanter du programme des autres qui n'en ont pas? Pourquoi parler si vous n'en avez pas? Une réponse rapide, je le disais. Oui, et il nous a dit qu'ils n'ont pas le programme, ils allaient le faire sortir après. Mais l'air, c'était de faire élu une fois pour 2 ans. C'est ça le programme. Après 2 ans, élu au suffrage universel de Rennes, par un peuple paupérisé, on devait revenir encore pour réorganiser les élections pourvu que les mentors retournent au pays. Et ça, moi, je ne viendrai pas faire un débat. Moi, je me gênerai, je resterai à la maison qui est venu faire un débat avec les gens qui, vous les avez exclus. Vous avez fait des méthodes cavalières, vous avez usé du tribalisme, vous les avez dissociés de vous, ils ont gagné. Je crois qu'en bon démocrate, on aurait pu applaudir. On aurait pu dire, attention, même notre programme, nous pouvons aider ces gens à aller de l'avant puisque nous étions une unité. On ne sait pas ce qui nous a divisés. Mais notre ennemi qu'on met en visée, c'était M. Kabila. Et comme nous avons battu Kabila, félicitations, nous sommes ensemble. Ils ne le sont pas. Donc, quels que soient les débats qu'il va faire, quels que soient les arguments qu'il va donner, ce ne sont pas des arguments basés sur la bonne morale. Je termine. Ce n'est pas basé sur la bonne moralité. Donc, qu'on ne peut pas dire, nous n'avons pas dit que nous avons la majorité, nous avons dit il faut un informateur. On en a eu en 2006, Gisèle Antoine. On en a eu en 2011, paix à son âme, le doyen Moine Simba. On doit en avoir aujourd'hui. C'est pas que nous en avons. On doit en avoir. C'est une culture de notre pays, c'est une loi à respecter et il doit dénicher la majorité. Alors, avant le MLP, vous avez une réaction rapide parce que des choses ont été dites tout à l'heure. Je vous ai vu prendre note, apparemment pas très d'accord avec les affirmations de Lamouka. D'abord, il a parlé de la cohérence, mais je croyais qu'il allait être cohérent en faisant les développements qui ont été siens, mais malheureusement, il n'a pas montré qu'il était cohérent lui-même. Qu'est-ce que je note ? Je note qu'il dit d'abord que le programme allait se faire après, c'est-à-dire après l'accord de Genève. Mais la cohérence voudrait d'abord qu'on puisse avoir un programme avant de désigner celui qui va porter ce programme-là. Rien que ça. C'est ça la première cohérence. Donc ici, on désigne d'abord un individu, encore qu'on sait comment il a été désigné, et puis après, on dit non, on devait faire le programme. Et c'est ce qui a été fait par la suite, n'est-ce pas? Est-ce qu'on trouve que c'est cohérent cette démarche-là? On élabore d'abord le programme et après on désigne celui qui va porter le programme. C'est ça la cohérence. Désigner un individu avant d'établir le programme, ce n'est pas la cohérence. Encore que le programme auquel il fait allusion, le programme Lamouka, c'est un programme basé sur 5 ans. C'est un programme de 5 ans. Or, Martin Fayoulou, qui est porteur de ce programme de 5 ans, ne devrait être là que pour une durée de 2 ans. Donc, vous voyez des gens qui ont signé l'accord de Genève pour un programme, en principe, pour un président de 2 ans, mais qui établissent un programme de 5 ans, tout en sachant que celui qui porte ce programme, compte tenu du costume qui lui a été donné, c'est un costume pour 2 ans. Parce qu'en principe, on a voulu faire de lui quelqu'un juste qui allait relayer les messages des Katumbi et les messages des Bemba. Où est la cohérence dans cela? Je ne confonds pas l'idéologie avec le programme. L'idéologie, ce sont des principes, des valeurs auxquelles un parti politique croit. Ou auxquelles, comment dirais-je, les valeurs ou les principes sur lesquels un parti politique est basé. Et de cette idéologie, on dégage un programme. Quelles sont les valeurs que vous défendez? Quels sont les principes que vous défendez? Les valeurs et les principes que vous défendez forment le socle. C'est comme la fondation d'une maison.
Et une fois que vous avez un entendement commun sur les principes et ainsi que les valeurs que vous défendez, vous pouvez maintenant bâtir votre programme en fonction de ces principes et valeurs. Ici, je dis, dès lors que nous avons déjà un même fondement, nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes principes auxquels nous croyons, les programmes qui doivent découler de ces principes ou valeurs devraient être la chose la plus simple qu'il soit. Et ce qui est grave, il dit non, des promesses en l'air, non. Les promesses qui ont été faites lors de la campagne, ce sont des promesses basées sur un programme. Mimi Kandé, on est à vous maintenant. Vous avez suivi que c'est chaud. Les Lumumistes continuent-ils à avoir peur du travail qui sera donc assigné au potentiel informateur et vous ramassez de manière enchevêtrée les principaux éléments de ce débat. Merci beaucoup pour la parole. Je crois que parler du débauchage, je crois que Cash ne peut pas avoir peur de le dire. Vous comprenez? Parce que la faisabilité, quand je vois, je suis en train de regarder la faisabilité du programme de Cash du président Félix Tshisekedi. C'est cette majorité parlementaire qui doit l'accompagner. Et même si le président n'est pas responsable devant le Parlement, c'est le Premier ministre. Mais le Premier ministre sera issu de la majorité parlementaire. Et ce que Bahati a dit, qu'il y a eu des pourparlers entre FCC et Cash avant même la proclamation des élections. Donc ils ont déjà été ensemble. Et qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis les FCC trouvent inopportun, au vu des arrangements qu'ils ont eus en amont de la proclamation des élections, donc le président Félix ne sera là que pour... ne peut plus former un informateur. La majorité parlementaire issue du FCC est là. C'est pourquoi ils trouvent inopportun. Mais de l'autre côté, Cash, pour Cash, c'est que entendre un écho de batteur, ils doivent être clairs. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché de dire que nous voulons un informateur pour que cet informateur qui viendra puisse voir dans quelle mesure les regroupements politiques qui ont présenté des candidats aux élections de 2018 ont été membres du FCC. Mais FCC n'a pas une existence juridique. FCC a une existence de fait, de même la MUCA, de même ensemble, de même. Et puis du point de vue politique, à moins que mes co-débatteurs me disent autre chose, mais du point de vue politique, nous savons que les FCC, au sein du FCC, il y a eu des regroupements politiques, notamment Bahati Nkwembo, son regroupement politique est dans le cadre du FCC. Papa Kengo Wadembo est du FCC. Nous regardons encore Bino Tshibala est du FCC. Donc, et vous êtes de quelle... vous avez quelle couleur? MLP. MLP, vous le savez, ce n'est un secret pour personne. Nous étions dans l'ensemble pour le changement et ensemble pour le changement et dans le mouvement social où nous étions avant que nous retirions notre candidature aux élections de 2018. Vous êtes sans ignorer que le MLP n'a pas participé à ces élections. C'est connu. Vous êtes et que nous sommes dans la MUCA. Voilà. J'ai encore la réponse, je n'ai pas encore terminé. Vous continuez, madame. Vous continuez, madame. On va parler du programme. Vous continuez, madame. Vous savez que la lutte de l'UDPS, personne ne peut contester la lutte de l'UDPS. Paix à son âme, à ce grand homme qui a su éveiller la conscience du peuple congolais, qui a pu faire comprendre le peuple congolais qu'il doit se prendre en charge, le président Étienne Tshisekedi. Et la lutte de l'UDPS, c'était une lutte pour le changement. Et quel changement radical? L'UDPS, c'est un parti de l'opposition radicale avec le MLP, parti de l'opposition radicale. Et nous, qu'est-ce que le peuple attendait de l'UDPS? Et voilà pourquoi à chaque fois que le président de la République va quelque part, le peuple nous rappelle le message de celui qui a garanti l'unité et la continuité de l'UDPS. Papa Étienne Tshisekedi, papa avait dit le peuple d'abord. Mais ce n'est pas en vain. Lorsque vous regardez ce qui vient de se dire autour de cette table, nous l'avons écouté, il y a un programme.
Oui, CASA a un programme. Le FCC a un programme. Puisque le premier ministre sera ici, durant du FCC. Le FCC, le CASH, ont eu le temps de mettre ensemble leur programme pour que le premier ministre qui viendra puisse l'appliquer. Le premier ministre va appliquer le programme du président de la République. Parce que le premier ministre qui viendra, bien qu'il y ait eu des accords entre le FCC et CASH, ils doivent mettre ensemble leur programme. Une précision de taille. Le premier ministre viendra appliquer le programme du président ou le programme de sa formation, de son regroupement politique. Non, partant du fait que l'autorité morale du FCC a eu des arrangements particuliers avec les CASH, ils doivent fusionner leur programme pour permettre au premier ministre qui sera issu de cette majorité parlementaire puisse appliquer un programme fusionné de CASH et du FCC. Voilà, une parenthèse importante, vous le dites à l'indicatif présent, a eu des arrangements particuliers. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation, arrangement particulier, qui l'a dit et c'est sorti de quel document? D'abord, s'il pouvait fixer ce que nous suivons. D'abord, je constate que Madame, les noms c'est encore... Madame Mimi Condé vient exprimer ses émotions au lieu de pouvoir analyser les choses clairement. La question qu'elle pose, c'est une question qui ne devrait pas se poser. Parce qu'il faut connaître la nature de notre régime politique. Nous avons quel régime politique? Mais avant d'y aller, Gabin, elle fait une affirmation dangereuse. Je vais répondre. Des arrangements particuliers entre le FCC et CASH avant la publication de résultats. Vous en connaissez quelque chose? Est-ce que vous en connaissez quelque chose? Pourquoi tu n'as pas caché cela? Attendez. Et en politique, ce n'est pas non plus mauvais. En politique, ce n'est pas mauvais. Les alliances, c'est fort et c'est défaut. Voilà. C'est ça le principe de la politique. Il ne faut pas avoir honte de ça. Je veux que madame puisse s'exprimer librement, etc. Comme ça, je réponds. Il n'existe pas un accord entre l'FCC et CASH. Si cet accord existe, je demande à quiconque de produire un extrait de cet accord. Il y a des discussions entre l'FCC et CASH. Et ces discussions ont commencé après la publication des résultats provisoires. Et le président Félix Tshisekedi l'a même dit. Nous n'avons pas honte. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, et on veut nous attribuer tous les péchés d'Israël, comme si Lanouka avait vu son candidat être élu président de la République, Lanouka aurait un autre comportement face à ce qui se passe. La cohabitation ou coalition, ce n'est pas des mots, ce ne sont pas des mots inventés par CASH. Ça existe, ce que dans la vie politique, vous pouvez avoir une majorité présidentielle sans avoir une majorité parlementaire. Et lorsque vous n'avez pas la majorité parlementaire alors que vous avez la majorité présidentielle, vous devez vous retrouver dans deux situations. Soit une coalition, soit une cohabitation. Une cohabitation, ça voudrait bien dire, vous laissez ceux qui ont la majorité parlementaire, comment dirais-je, gérer les pays. La coalition, c'est que vous vous mettez d'accord sur le programme, et bien vous mettez aussi en place un gouvernement entre vous deux pour pouvoir gérer le pays ensemble. C'est pas... Aujourd'hui, Martin Fayoum, s'il était élu président de la République, il se retrouverait avec le FCC, soit dans une coalition, soit dans une cohabitation. Mais votre partenaire, partenaire plutôt de l'alternance, Matinou Kobo, il est parmi vos partenaires. Attendez. Il a fait une déclaration. Madame se focalise sur ça. Voulez-vous dire que c'était aussi une émotion chez Bahati? Attendez. Je vous dis qu'il n'existe pas un accord avant les élections, tout comme aujourd'hui, entre les FCC et les CASH. Il existe des discussions entre les FCC et les CASH, et ces discussions ont commencé après la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle.
Je veux que cela puisse être entendu. Parce que l'amalgame que ces gens veulent créer dans la tête des gens, c'est de montrer aux gens que le comportement aurait été différent si Martin Fayoulou avait été élu. Mais les trois élections ont eu lieu le même jour. L'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection, législative provinciale. Ça veut dire que ce n'est pas les CACH qui a organisé cette élection, cette élection a été organisée par la CENI. Il s'est fait que, suivant l'élection qui a été organisée par la CENI, CACH à la présidence de la République, et aussi bien les législatives nationales et provinciales, sont remportées, entre guillemets, par ce qu'on appelle, je dis entre guillemets, hein, parce que l'FCC n'a pas une existence juridique, entre guillemets, par l'FCC. On est devant cette situation-là. Ce qui veut dire qu'on peut désigner un informateur aujourd'hui et déboucher sur la même réalité. Parce que la désignation d'un informateur ne signifie pas que si on désigne aujourd'hui un informateur, la majorité va forcément basculer. La majorité peut ou ne pas basculer alors qu'un informateur a été désigné. Il est précisé. Et je suis en train de chuter. Voilà. C'est que la prérogative des désignations de l'informateur, c'est une prérogative reconnue au seul président de la République. Oui. Vous, M. Zakari Kenda, qui est ici avec moi, nous n'allons pas prendre la place du président de la République pour exercer la prérogative qui lui est seule reconnue. Donc, qu'on ne mente pas à la population en disant, si on désigne un informateur, forcément la majorité va basculer. Elle peut ou ne pas basculer. Très bien. Alors, une précision de taille que vient de donner CACH, madame, il serait mieux d'annoncer les choses au conditionnel au lieu de faire une affirmation parce que cet accord... Mais personne ne l'a brandi. Là, Mouka, on prend votre co-débatteur. Vous allez revenir. Kivuata, vous comprenez que l'accord dont vous parlez, cet accord n'existe pas. Il y a plutôt des pourparlers entre les deux forces pour pouvoir coaliser. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est honnête de ne pas affirmer des choses? Nous sommes en politique, au fait. Nos amis ne savent tout simplement pas s'assumer, parce que ce que nous on a dit, ça vient de propos de membres de leur propre coalition, CACH-FCC. Nous avions cité le ministre Bahati-Lou Fourbo et même le secrétaire général adjoint de l'UDPS qui a parlé d'un choix du président Kabila, d'un partenaire que serait l'UDPS. Mais je voudrais rebondir sur le propos de Maître Zakari, qui a commencé par dire finalement dans notre pays il n'y a pas d'homme politique. Mais je confirme effectivement ce propos, mais je pense que c'est dans leur propre camp qu'on n'aurait pas ces hommes politiques, parce que finalement il n'a rien dit. Rien dit, il n'a pas contrecarré mes propos, mais pourtant il nous dit à Genève, il n'y a jamais eu de programme. Je le rappelle qu'à Genève, chaque candidat avait son programme, et que personne n'avait été exclu, à moins que je lui brandisse l'accord de Genève. Sur cet accord, nous avons la signature du président Kamere et du président de l'UDPS, M. Etienne Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Donc personne n'a jamais été exclu. Et les deux ans dont il a parlé, c'était une proposition pour régulariser les cycles électoraux, parce que le leader de la Mouka estimait qu'après que le président Kabila ait pris deux ans de mandat de trop, il fallait réhabiliter le cycle électoral, le régulariser pour le ramener en 2021. C'était une proposition qui devait être avalisée par un référendum parce que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient changer le mandat du président de la République. Et mon confrère Gabin Lulembo, encore une fois de plus, il s'est perdu dans l'incohérence, lui aussi. Parce que finalement, il traite mes propos d'incohérents. Pourtant, finalement, lui dit, c'était incohérent mes propos, tout simplement parce qu'à Genève, il n'y a jamais eu de programme commun et que c'est venu par après. Or, un programme constitue des propositions que l'on fait au peuple congolais et c'est des bonnes à loi que ça se fasse bien avant la campagne électorale parce qu'on fait des promesses électorales pendant la campagne électorale. Plutôt, ce sont ces propos qui sont incohérents parce que la Mouka a fait son programme commun avant la campagne électorale tandis que CACH n'a jamais produit son programme commun avant la campagne électorale. Je discute des fois avec certains
compatriotes de l'UDPS qui me disent c'est l'un de ceux qui a adhéré au programme de l'UDPS. Mais à un certain moment, l'UMC, on dit, il y a le pourparlers pour faire un programme après la campagne électorale. Donc déjà, avec cette confusion au niveau du cash, moi je ne vois pas comment est-ce qu'ils arriveront à faire un programme commun avec le FCC. Est-ce que ce ne sont pas ceux qui parlent avec vous qui sont des confusionnistes? Nous quittons Genève, nous quittons cash. Alors on revient, vous êtes dans quelle logique maintenant de mettre le feu à la case qui est votre pays, où vous êtes dans la logique de pouvoir jouer le contre-pied pour que le pays aille de l'avant? Nous sommes dans la logique de faire la résistance pacifique, parce que nous estimons que nous ne sommes pas en face d'un régime démocratique. Nous sommes en face de gens qui ont pris le pouvoir du peuple congolais par la force. Maître Zakari l'a reconnu, qu'il n'y avait pas de cohérence entre les résultats de la présidentielle et les résultats des législatives nationales et provinciales. Donc tout porte à croire qu'il y a eu du gangstérisme électoral, et devant cette situation, il faut réhabiliter le peuple congolais. Nous sommes en train d'utiliser tous les moyens politiques, diplomatiques, et ce, de manière d'essuyer un revers diplomatique à l'Union africaine. Vous voulez aller encore où? Parce que le peuple, vous l'avez mobilisé autant de fois, mais ça n'a pas marché. Comment ça? Le peuple a toujours été mobilisé. Aujourd'hui, le président légitime Martin Fayulu est à Boutembo. Il a été trop bien accueilli par le peuple congolais. Nous estimons que, en dehors de ces deals qui a été fait contre le peuple, le seul camp qui a la légitimité du peuple congolais, c'est l'AMUKA. Zakari, Kéber, vous avez une réaction? Mais il vient de changer. Lui-même a dit le programme viendrait après. Mais il a dit le programme avant. C'est ce qu'il vient de dire. Le programme après. Avant la campagne électorale. Et madame parle de l'arrangement. Moi, je suis juriste. Je crois qu'ils sont juristes. Quand on parle d'une chose, il faut savoir l'approuver. Ça aurait été noir sur blanc pour nous de nous fermer la bouche. Voilà l'arrangement que vous avez fait avec le pouvoir. Ça aurait été quand tout l'arrangement, puisque la rue en parle, tout le monde en parle, tu aurais pris le pouvoir comme l'a pris Félix et s'en dépasser de Kabila. Il s'appellerait qui? S'appellerait Martin Fayulu? Mbemba, Moïse, Diongo, il s'appellerait qui prendrait le pouvoir? Dès qu'on le proclame, il prend le téléphone de ce cabinet, tu dégages vite, tu pars, je dois te remplacer. Il s'appellerait qui? C'est à ce niveau qu'il dit que nous n'avons pas de hommes politiques au pays. Qui le ferait comme ça? Nous sommes allés aux élections et c'est le monde entier. Même les bébés, même le feu, tout ça dit, c'est une première dans notre nation. Une première de voir la passation civilisée du pouvoir. Mais cette première passation doit avoir des corollaires, doit avoir des conséquences. Comment est tout arrivé à la prestation de serment, à ses discours, à la remise des symboles de l'État sans dialoguer? Comment est-on arrivé là-bas? Comment as-tu appris à Félix comment s'habiller, comment marcher sur le tapis rouge comme un président, comment se tenir comme un président? Comment as-tu arrivé là-bas si le protocole de l'État ne venait pas vers lui? Parce que c'est une première. Même les photos seront reconnus. C'est une première. Et Martin Fayulu prendrait le pouvoir sans dépasser de Kabila. Il dirait, monsieur Kabila, tu peux partir maintenant. Monsieur, soyons responsables et nous parlons de notre République. Soyons responsables, nous parlons de notre République. L'FCC, non, dans l'FCC, il y a des gens de regroupement et de partis. Oui, mais de quoi? Ton père? Nous ne refusons pas. Mais les formateurs venir vous donner cette majorité pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de subitation. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a eu des arrangements que vous n'arrivez pas à démontrer. Alors pourquoi vous avez. Non, j'arrive. Pourquoi vous avez. Oui, vous avez peur. Le temps, oui. Le lutte radical de Tshisekedi. Mais Tshisekedi est allé à coaliser avec le Moïse Katumbi qui l'ont venu à la victoire. En 2011, Moïse Katumbi était le puissant gouverneur au Katanga. Mais je vois que Tshisekedi a rassemblé tout le monde.
bien avant ça, même en 2011, il a lancé un appel que tous ceux qui veulent avoir le pouvoir, tous ceux qui veulent le changement radical, se rallient à moi pour avoir le pouvoir. Vous avez vu Martin Fayoul aujourd'hui, qui est devenu très ingrat, se battre sur la DTP. Dynamique, c'est ce que le président, il ne faut pas écrire, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et il a été élu sous cette étiquette-là. Merci. Attendez, je suis sur l'option. Il ne faut pas la couper comme ça. Il faudrait qu'on dise des choses aux gens pour qu'ils sortent ici quand même étant édifiés. Parce qu'il ne faut pas venir parler comme les hommes de la rue. Quand on parle de la rue, nous venons ici pour apporter la lumière de plus aux gens. La cohérence, si dit Maître Zakaria parlait de la cohérence, oui. Mais qui dit que cette cohérence profiterait à la Mouka? Qui? Si j'ai dit que nous avons... Il ne peut pas avoir la majorité et manquer un président, cela signifie que ça rapportera. Mais maintenant pour chuter. Mais Martin Fayoul est allé aux élections avec quel programme et avec quel mot d'ordre. Martin Fayoul, le Zitou lui-même l'a dit dans une audio. Tshilombo était un garçon correct. Lui n'a pas voulu porter les combats de refus de la machine. Mais nous avons trouvé Martin Fayoul qui acceptait de refuser la machine. Vous refusez la machine jusqu'à 3 jours des élections et vous réclamez la vie. Et en même temps, et en plus, je chute par là, monsieur le journaliste, il y a plus de ça. Jamais la Mouka ne fait pas de projection de ses résultats promesse par promesse. Combien a-t-il eu exactement pour que les enfants sachent? Le 62%, le 56%, 42%, 11 millions de voix, 8 millions de voix, ça serait honnête. Ça serait honnête. C'est trop malhonnête qu'on vienne faire un débat sur une chose comme ça. Madame, on dit non, on va nous attaquer sur tous les points. Merci, Zachary. Soyez civilisés, soyez l'opposition républicaine, venez nous attaquer en tant qu'opposant. Nous, nous avons fait chacun dans l'opposition. Nous avons fait tracer dans l'opposition, nous n'avons pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de Madame. Je voulais faire remarquer seulement les temps de parole n'ont pas été correctement respectés. Madame Conde, vous avez eu des équilibres. Je voulais dire que je suis politique. Je ne suis pas venue sur cette table comme avocate, comme juriste. Je suis politique et je ne suis pas une femme. Ce sont des notions de groupe. Je suis apaisé, ce sont des notions de groupe. Vous devez démontrer, vous devez apporter la peine. Je protège madame. Vous la protégez. Je protège madame. Et vous me protégez madame. Vous devez prouver. Quand une femme parle, vous aussi vous parlez. Non, la femme, c'est une personne. Ça ne se passe pas comme ça. Madame Conde, c'est vous qui avez la parole. Vous nous diminuez pourquoi? Vous devez avoir honte quand une femme parle et vous aussi vous parlez. Ce sont des mauvaises méthodes. Je vous le dis. Madame Conde, je vous dis ceci. Je vous dis ceci, papa Zachary. Oui, maman. Je ne suis pas sur cette table comme avocate, je suis comme politique. Et en tant que politique, je dois m'assumer. En politique, les alliances se font et se défont. Les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. On a combattu Kabila, vous avez combattu Kabila. Mais quand vous avez estimé que vous pouvez faire une alliance avec lui, libre à vous. Vous ne dépendez de personne, Cash ne dépend de personne. Cash a ses ambitions et s'il veut atteindre ses ambitions, il sait comment les faire et vous l'avez fait. Aujourd'hui, l'inquiétude n'est pas de votre côté, c'est du côté de votre allié, le FCC, qui s'inquiète par rapport à la nomination d'un informateur. C'est ce que nous venons de dire ici. Ce n'est pas nous. Que de trois, M. Zachary, ce que vous devez comprendre. Vous nous demandez de venir brandir une preuve ici qu'il y a eu un arrangement entre FCC et Cash. Non, monsieur. Vous venez de parler de Nkomozitu qui avait parlé. Que Fati, c'est un garçon sérieux et tout, tout. Ok, mais pourquoi vous refusez maintenant la communication de l'un des grands hommes du FCC, le professeur Bahati, qui a autant de députés avec son regroupement? Pourquoi vous refusez la communication du professeur Bahati? Nous, soyons sérieux. Moi, je crois qu'il est temps. Qu'il est temps que nous puissions expliquer à notre peuple que vous allez coaliser avec le FCC. Et votre coalition va porter sur un programme. J'ai dit tantôt ici, les programmes du CASH et du FCC doivent être fusionnés. Vous devez fusionner vos programmes pour que celui qui sera nommé comme Premier ministre puisse porter ces programmes. Et nous avons dit autour de cette table que le Premier ministre, c'est lui qui est responsable devant le Parlement. Donc, nous ne faisons pas, nous ne parlons pas comme des gens de la rue, nous parlons. Nous faisons de la pragmatisme politique
et de la futurologie politique pour savoir ce que les Congo seraient demain avec, votre, avec cette coalition. Assumez-vous, c'est plus simple. Vous l'avez, vous l'avez dit avec la coalition votre cœur. N'est pas un péché. En politique, c'est comme ça. Vous avez les dernières paroles. Premièrement, aujourd'hui, je suis en conclusion, je suis ahuri de constater que on s'appuie sur le propos des Bahati pour dire oui, on s'appuie sur ce propos. Mais quand le confrère Steve avait commencé de parler de l'accord, Bahati n'avait pas encore parlé. Où puisait-il cela? Donc ça veut dire c'est des gens qui peuvent changer bien évidemment de couleur en fonction de la donne politique. Ils avaient déjà commencé à annoncer qu'il y avait un accord alors que Bahati a seulement parlé dernièrement. Deuxièmement, j'insiste qu'il n'y a pas un accord qui existe entre les CACH et, et l'FCC jusqu'à ce jour. Troisièmement, il parle de la cohérence en disant oui, mais il n'y a pas de cohérence entre l'élection législative nationale, présidentielle et provinciale. Très bien, mais s'il n'y a pas de cohérence entre ces trois élections, la logique la plus simple, c'est de dire... La vérité des urnes doit s'exprimer aussi bien pour l'élection présidentielle que pour les deux autres élections. Et par voie de conséquence, vos élus, la logique voudrait bien évidemment que vos élus ne puissent même pas se présenter au niveau du Parlement. Parce que c'est ça. Vous voulez la vérité des urnes pour l'élection présidentielle, alors que vous dites qu'il n'y a pas de cohérence entre les trois élections, mais en même temps vous envoyez vos députés au niveau du Parlement. Ça veut dire que vous avez déjà accepté d'autres élections, mais vous refusez une aussi en dernière position pour chuter. La cohérence aussi voudrait bien évidemment dire que quand vous réclamez la vérité des urnes, vous-même vous devez savoir dans votre judiciaire vous avez eu combien. Or, la Mouka ne sait pas combien Martin Fayoub a eu. Tantôt c'est 11 millions, tantôt c'est 8 millions, tantôt c'est 47%, tantôt c'est 52%. Comment des gens qui ne connaissent pas dans leur judiciaire ce que Martin Fayoub a eu, peuvent réclamer bien évidemment si la vérité, la vérité, la vérité des urnes. Merci beaucoup. Voilà, on a beaucoup.